entre 20 et 30 minutes, alors le moins longtemps possible. Mais allez vous chercher un popcorn puis du breuvage parce que ça risque d'être long. Alors allons-y! Oui! Comme je le disais, tout ce qui touche le strip va se retrouver dans cette vidéo-ci. Et lorsque je vais faire d'autres activités, ben, je vais faire d'autres vidéos pour ces activités-ci. Alors je vous invite à abonner à ma chaîne pour toutes les voir. Sinon, ben, je me trouve dans un Walmart là, afin de faire des provisions de cochonnerie pour la semaine. Que voulez-vous? On est aux États-Unis, alors on se gâte! C'est ça les vacances. Bon ben, assez de gras pour cette semaine, hein, parce que là, sinon, ça va grossir encore plus. Non merci. Donc, nous nous retrouvons devant le Pawn Store, bien connu grâce à une émission qui passe sûrement sur Canal Z. Donc, on va rentrer à l'intérieur, voir qu'est-ce qu'il y a comme cossin à vendre. Et combien que je peux vendre mon corps. Mais non, je peux pas une pute, voyons. Ce qui est le fun à Las Vegas, c'est que tous les hôtels sont reliés par des ponts du genre. Alors, c'est quand même facile pour les piétons de traverser. Et je m'imagine Gandalf qui fait tout le temps You shall pass. Bazinga! Donc, il me reste 5$. YOLO! C'est parti! Oh! Gagné! 15$! Entrée principale du MGM, pas trop mal, pas trop mal. Du monde à messe. Ça, c'est nice. Donc, nous sommes en train de marcher pour aller à New York, New York, voir le beau coucher de soleil avec cette masse de monde. Donc, je vais entrer à l'intérieur avec un seul objectif en tête. Je vous donne un indice. Milk Dud. Oh, I love Milk Dud. Holy chocolate. 500 livres de chocolat. Oh yeah! Vite, on s'en va avant que je me fasse laisser par la tentation. Et merde! I couldn't resist. Ok Google, donne-moi un endroit fun pour m'amuser. Oh, you touch my tra-la-la. Hey. Assez chill la décoration du New York, New York. Non, Matt Yoda, je vais te sortir de la misère! Bon, je vais te grabber là. Relax Yoda. La force vient te chercher. Yoda, que la force soit avec toi. Hawaii, Hawaii Yoda, libération. Yoda, Yoda, reviens. C'est pour les enfants. Bye bye New York. Hello Excalibur. Donc, dernier hôtel de la journée, avez-vous vu la grosse lumière en arrière? Wow! On dirait un gros lightsaber. On dirait que la lumière va atteindre Dieu. Ça doit chauffer son postérieur. Sérieux, Las Vegas, c'est vraiment grandiose. Les hôtels sont fucking trop gros pour qu'est-ce qu'ils ont. Donc nous sommes présentement au deuxième étage, vous pouvez retrouver l'exposition du corps humain, l'exposition du Titanic et aussi encore quelques restos comme d'habitude. Même chill la grosse colonne vertébrale. Je suis présentement au 15e étage puis ça fout quand même les chenolles. Holy shit, guys! Je suis présentement au 27e étage, puis checkez-moi cette vue. Ouh! Faut vraiment pas que tu tombes, hein? Ah!
ça vient de remonter mes couilles dans le ventre. Vous avez ici le main lobby du Caesar's Palace. Wow! Allons gagner d'argent au Caesar Palace. Mad money! Eh bien, succès pour 20$ de plus au Blackjack. Mais sérieux, j'ai pas les couilles pour gambler un gros montant, alors je vais arrêter ça là. Donc, vous avez ici à l'arrière l'entrée principale du casino du Caesar Palace. L'architecture là, sérieux, waouh, c'est vraiment majestueux. Puis l'entrée là-bas, c'est ici qu'ils ont tourné une partie du film Hangover 1. Donc, je vais vous mettre à l'extrait ici. Un bon film pour vous cultiver. Le jardin de César. En tout cas, je sais une chose, c'est que j'adore ta salade, monsieur. On est présentement dans la cour arrière de Jules. C'est grandiose, c'est incroyable. OMG. On est ici devant le Fountain of the Clouds. C'est ici qu'ils ont tourné Rush Hour 2, ou en français, Heure Limite. Les fous nuages me font passer au Truman Show. Alors, quelle ville de merde! Bon, ben, un petit gelato sur le side, pourquoi pas? Non. Ah oui! Il est totalement légal de boire de l'alcool dans les rues. Alors, je me saoule en public. Cheers! Yo! Ok, j'ai rencontré du monde bizarre ici aussi, mais bon. Alors, santé! On est présentement au Link Promenade et voici la grande roue juste en arrière. C'est quoi ça? Roue dans la Hakes? Eh bien, Paris, t'es bizarre. Paris, Paris, on t'encule! Oh non, non, je suis pas gay, je suis pas gay! Ici, vous avez des bras robotiques qui fait votre drink. C'est comme ça que Scanet a commencé. PH, Planet Hollywood. Je suis en train d'essayer un bon oxygène. C'est pas de la drogue, c'est complètement légal et ça sent ça. Je me sens nouveau.
Nice! Et voilà, le Bellagio pour vous, les amis. Bon, ben, j'attends la prochaine représentation. C'était tellement malade que je vais rester ici. Je perds pas ma place. Place A1. Et voilà, deuxième représentation finie. Alors, je vous laisse sur ce Caesar's Palace. Donc, pour la nouvelle année 2018, l'année du chien. Donc, félicitations pour ceux qui ont le zodiac du chien. Ben, si vous êtes un chinois, bien sûr. I ain't. La plus grosse fontaine de chocolat au monde se trouve ici. Au Bellagio. Yum. Je trouve pas le dragon rouge. Il me reste encore des jetons de 500 à dépenser. Et merde! Les bateaux pirates du pays. Treasure Island. Pas 60 degrés tant qu'à faire. Palazzo. Mission. Allons voir c'est quoi qui est acheté au Grand Canal Shop. Ça doit être pas payé parce que non, j'ai pas de dollars, désolé monsieur. C'est triste. Faut pas que je fasse des eye contact, sinon je vais être succombé. Magasinage, magasinage. Damn! Le décor époustoufle. C'est une joker. Sérieux, je n'ai plus de mots pour dire à quel point que c'est magnifique. Alors je vais dire grandiose. La réunion annuelle des gondoliers. Donc nous sommes présentement devant le Mirage pour voir une éruption volcanique. Il y a trois représentations les vendredis et samedis à 7, 8 et 9 heures et du dimanche au jeudi à 7 et 8 heures. Alors on attend que ça commence là, ça devrait pas trop tarder. Il y a un tapon de monde. Ooh.
dirait une tribu. Ça, c'est beau. Fait que là, on se retrouve devant la fontaine du Wynn. J'ai entendu dire que si vous lancez une pièce de monnaie dedans et que vous faites un vœu, ça va se réaliser parce que, d'après moi, Wynn, ça rime avec Wynn, W-I-N. Alors, si vous tirez dans la deuxième encoche là-bas, vous allez gagner au casino. Alors, c'est parti! J'ai pas tiré au deuxième palier, mais c'est pas grave! Circus. On est présentement au Circus, un endroit très familial, donc on va être ici pour voir un spectacle de cirque. Donc le prochain est à 6h30, alors on tente d'aller gambler, allons-y! Vous croyez vraiment que j'allais gambler dans le casino? Mais non! On est ici pour avoir un Chewbacca! Alors je vais me reprendre de New York parce que j'ai pas gagné l'autre fois. Alors c'est parti, mais c'est pas une celle-là. Ah ouais, Chewy! Que la force soit avec. Hein, le clou peut même plus aller plus loin. Pognez-lui dans le fond, man. Fuck that shit. Que la force soit avec toi, Chewy. Ah ouais, Chewy. Oh, décevant. Oh, merde. Oh. Bon, là, je vous jure, là, c'est le dernier dollar que j'investis pour Chewbacca, là, parce que je suis tanné là, de le sauver. Ah ouais, man. Oh oui! Ah oh oui! La force! Que ça aide avec moi! Après 20 piastres, j'ai réussi à avoir Chewy! J'espère que vous allez me donner un thumbs up pour cette, ce moment émouvant. Je vais verser une larme. Voyez. Holy shit, man! Non! Comment tu fais? Moi j'aurais tout de suite tombé, là, c'est incroyable! Est-ce qu'il triche? Je pense qu'il utilise un code hack 934210. Hacker! Oh non! Oh non! Un doigt! Plus sérieux! Lâche la prise! Oh man! Un doigt! Allez, un doigt, c'est tranquille! Wouh! Et merde! Eh ben, un petit 1,40 de profit, mieux que rien. Présentement au Stratosphère pour essayer les manèges, donc les trois. Sérieux, j'ai peur. Donc notre entrée, ça va être l'Insanity, donc la manège qui va suspendre dans le vide et tourner comme du Spin Me Right Round. Bon ben c'est parti, on est dans le vide. Holy shit, checkez-moi ça. Ouh, c'est vraiment Insanity. Oh, on n'est pas encore
pencher vers le devant. Oh shit! Ouh! Tu respires. C'est tolérable. Wow! Vegas! Bon, ben, c'était quand même drôle, étant donné qu'on n'a pas le droit de vlogger sur la manège, ben, il nous a arrêté, alors on a eu droit à un ride et un car. Vlog, man. Et là, on s'en va faire le Extreme, autrement appelé le Psych, parce que là, tu descends, puis là. Non, Psych! Tu fais semblant de tomber, mais non, tu remontes. Welcome to the Big Shot, the world's highest thrill ride. Woo! For your own personal safety, please keep your hands back against the headrest at all times. Once again, place your hands against the headrest while the ride is in motion. Smile for the cameras and enjoy your ride. Welcome back. Thank you for riding the Big Shot. Remember to pick up your personal belongings as you exit. Alright, thanks. Your ride photos are located at the bottom of the exit stairs. Discounted re-ride tickets are available on level 1. On est sur le top of the world! Yeah, Vegas! Donc, on est présentement au plus haut point de Las Vegas, donc sur le top de Stratosphère avec le Big Shot juste en arrière que j'ai créé comme petite fille. Alors, wouh! Sérieux, belle vue. Las Vegas au top! Oh mon Zeus! Oh, contre feu! Show 100% CGI. Vous avez ici l'hôtel du président des États-Unis. Mr. Trump, ami avec Steve Wynn. C'est joli chez Donald Trump, sauf qu'il n'y a pas de casino, alors sortons. Bon, ben, nous sommes déjà rendus à notre dernier hôtel de Las Vegas, qui est le Hard Rock Hotel and Casino. Oui! Allons-y voir. Bon, ben, allons dépenser tout ce qui reste, ce qui veut dire 3$. Au Hard Rock
pouvez voir qu'il y a beaucoup d'expositions de guitares et de musiciens. Donc vous avez ici Johnny Cash, Keshing. Donc apparemment c'est ici qu'ils ont tourné le film de Blackjack 21 avec le scandaleux Kevin Spacey. Ringo Starr's A Gift from Bob Dylan. Donc le kit de drum de Frank Zumo de Sum 41. Wow. C'est vraiment beau, mais c'est qui lui? Bon ben, I call it a night. Alors je vais vous dire salut dans 3, 2, 1. Donc c'est ce qui complète ma vidéo principale de Las Vegas. J'espère que vous appréciez. Si oui, donnez-moi un like. Sinon abonnez-vous à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos de Las Vegas. On se dit à la prochaine. Restez chaud. Salut. Aïe. Ouais, fait que avant de partir de Las Vegas, je voulais faire un petit tour de buggy de Walmart. Donc gracieuseté de Walmart. Pas cher, bon prix, bonne réputation. Non, c'est moi. Bon. J'ai l'air d'un Proto View de 220 livres. I'm an American citizen and I'm going to shop to Walmart.